Bonjour à tous, ici Julio, 29 ans, Montréalais d'origine. Je suis enseignant des sciences et des technologies et pour le moment, je fais beaucoup de suppléances au primaire et au secondaire pour me permettre de faire plein d'autres choses que j'adore, comme le beatbox. Je travaille aussi beaucoup sur ma chaîne YouTube. J'aime aussi faire du bénévolat au sein de l'organisme communautaire de mon quartier, le Forum Jeunesse Saint-Michel. Yes! Est-ce que j'aime voyager? Oui! Dans quel pays? La Chine! Merci beaucoup, Tim Hortons, parce que le 26 février 2019, vous avez amené un Tim Hortons à Shanghai! Merci, chéché. Et qu'est-ce que je commande toujours au Tim Hortons? Moi, ce que je commande, c'est le gratiné au bacon en changeant un quartier de pommes de terre par une roussette au miel avec comme boisson nul autre que Mr. Cappuccino glacé! Pourquoi toujours la même chose? Parce que pour moi, une effervescence, une effusion de fromage cheddar, mozzarella, avec sur le top un Monterey Jack, avec en son milieu un accompagnement de bacon juste assez croustillant, c'est magnifique dans les papilles gustatives. Et pourquoi la roussette, devrais-je plutôt dire, la route tracteur? C'est parce que mon grand-père, quand il habitait à Sorel-Tracy, on allait toujours au 240 rue Victoria, puis il disait pas roussette au miel, il disait, m'a de prendre une route tracteur. Fait que pour moi, c'est un incontournable, c'est nostalgique. Et finalement, le ice cap. Tout le monde se shoot au ice cap. C'est sucré, c'est velouté, c'est savoureux. On aime ça en été comme en hiver. Yeah! Emmenez-en du ice cap! I need it! Bon, allez m'en chercher un, il est pas trop tard. Puis finalement, Tim Hortons, mettez quelque chose de piquant. Habanero au poulet chez McDo. Habanero au poulet chez I&W. Puis même Peter McLeod, il y a une gamme de produits alimentaires. Puis il y a une sauce, il y a une huile piquante. Mettez quelque chose de piquant, puis moi l'acheter. On se voit à Toronto.